Et c'est parti pour la suite. Je vous rappelle que notre but c'est de retrouver Pilika. Heureusement qu'on a ça parce qu'on serait bien dans la merde sinon. Vite à l'étage, ça sert à rien d'aller au pas. Vase mystère. Ça vous verra à quoi ça sert pour ça. On peut les évaluer. Et... pour obtenir des objets. Enfin, vous, J'utilise toujours la même tactique, hein. Voilà. Pilika, elle est où déjà? Au pif. Oula. C'est quoi? Ah ouais. Carrément, il a tué Paul. Attention, c'est un fou. Des milliers de quoi? Oula. C'est rien. Ça. C'est là qu'on aurait aimé des voix, quoi, dans le port de vie. Bon, c'est vrai qu'on est que des gosses hein, à côté de lui en plus. Encore une petite cinématique. Ouais, on reprend l'équipe qu'on a mise là. Elle est choquée.
Voilà, donc maintenant on va amuser. Maintenant qu'on a plus de maison. Attendez, vraiment si je suis sur la bonne route. Hein. Ouais, non, trop tard. Ah, si, c'est vrai. Donc, on est obligé de passer par là. Mais qu'est-ce que je fais? Mais n'importe quoi, tu sais. J'ai confondu Toto et Radar en fait. Je suis un boulet. On peut passer sur le bord là, ouais. Perte de temps, ouais. Presque, voilà. Mais putain, chaque fois je confonds la touche pour courir et celle du menu. Chez elle. Des vues bizarres. Hein. Attention, moment très important du jeu. Alors, dis bien les noms, Genkaku, notre grand-père. Enfin, notre grand-père, entre guillemets. Il touche tous les deux inscriptions et clac. Le sanctuaire, putain, mais vive les fautes quoi. Elle parle d'étoiles de la destinée. En fait, les 108 persos sont aussi appelés les 108 étoiles. Bon, je vais expliquer plus tard. Parce que vous n'êtes pas censé savoir là. On est censé avancer. C'était gueule qu'il avait. Oh, hop, encore bien net. Vous avez vu comment je t'ai maltraité quand je t'ai dit?
Trop con. S'en fait éclater. C'est ça le petit lèche-cul quoi. N'importe quoi. L'ambiance est bien foutue quand même. Putain, la gueule du Kleps quoi. Eh oui, il parle quand il est petit. Enfin, dans les flashbacks, il est petit. Mais quand on contrôle... Dans les flashbacks, il est petit, je dis n'importe quoi, il parle. Mais quand on contrôle, non. Si tu étais là, hein, mais ils ont oublié deux lettres. Enfin, j'ai l'impression que c'est toutes les lettres à accent qui ont disparu. Hein. Les programmeurs, ils ont vraiment fait de la merde. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça qu'en regardait l'arbre, il regardait à côté. Ça faut jamais l'oublier. Non, j'en ai fait de mettre freeze tout court. Ça aurait fait plus. Ils ont BLI, je vois pas quoi. Mais... On limite un résumé du jeu là. Je pense que si on dit pas les mêmes réponses, ça change peut-être les scènes. Ouais. Ouais, ça doit changer. Parce que si on dit pas ça, ça, tout ça, tout ce qu'ils disent là, ce que notre perso dit, c'est des réponses qu'on a choisies. Donc je pense que ça change. Je sais pas trop si ça change vraiment le jeu en fait. Vu qu'il y a que la fin qui peut changer. Non. Mais je crois pas que ça a de rapport avec les réponses.
Voilà. On a les élus. La course. Lui, c'est une espèce d'épée noire et rouge. Nous, un espèce de bouclier de lumière. Voilà, on va pouvoir changer le destin maintenant. Veux juste voir si on pouvait refaire un truc après, mais non. Là, logiquement, vous devez vous dire des trucs du genre. Ça fait un peu le bien et le mal. L'équilibre, quoi. Allez. Si jamais que les ennemis arriveront ici, on va pouvoir partir. Vermuse, je vous rappelle. Vous êtes pas. Vu d'un blanc, et là on va forcément arriver à nous... Donc et bien après cet épisode un peu particulier où... et l'obtention des deux runes du début, je vous quitte et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bon vent, salut.